Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. On va commencer par régler nos petits problèmes de son. Bonjour à tous, bienvenue ici à la Fonderie, cette agence spécialisée dans l'accompagnement des startups. Jean-Baptiste Roger, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Fonderie, ex-agence numérique d'Île-de-France. Racontez-nous ce que vous faites ici, puisqu'on est à quelques instants du début de la keynote d'Apple à San Francisco. On va attendre que ça démarre. Oui, ben merci d'être là déjà. C'est la deuxième fois qu'on se retrouve ici. Alors, approche-toi bien du micro, Jean-Baptiste. Donc, c'est la deuxième fois qu'on se retrouve ici. On est super content de vous avoir pour un long live qui va nous emmener tout au long de cette keynote Apple. Donc, vous êtes à la Fonderie, c'est une agence numérique donc qui s'occupe d'accompagner les politiques publiques de la région de France. Donc, vous êtes ici dans le 12e arrondissement. Mais ce soir, il y a un dispositif très particulier puisqu'il y aura... des intervenants des quatre coins du monde, pratiquement, hein, on peut dire ça. On va essayer en tout cas avec Skype de faire intervenir des camarades qui suivent cet événement Apple avec nous. Alors, des camarades, il y en a plusieurs hein, qui vont essayer de nous rejoindre ce soir. Bah, le premier d'entre eux, et après je vous présenterai le troisième larron qui est ici avec nous, c'est Gilles Dounès, le directeur de la rédaction de Mac+. Salut Gilles! Salut Benjamin, comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va très très bien. On est très heureux de t'accueillir dans cette émission. Tu es prêt pour vivre avec nous cette folle soirée? Oui, tous les signés sont ouverts et puis je suis ravi d'être avec vous, même si c'est à distance. Eh bien écoute, nous aussi. Explique-nous juste en deux mots ce que ça représente pour les sites Mac et notamment pour Mac+, un jour comme aujourd'hui. C'est un des grands rendez-vous, c'est le dernier qui reste puisque la Macworld a été supprimée voici 2 ans maintenant. Mm-hmm. Et donc c'est le dernier rendez-vous fixe qui regroupe tous les développeurs macOS 10 et iOS. Et donc c'est le grand rendez-vous du logiciel et on va voir s'il y a autre chose à se mettre sous la dent du matériel en particulier. Alors, on est déjà trois avec Jean-Bapt, avec moi et avec toi, Gilles. Évidemment, tu interviens quand tu veux, hein, la ligne reste ouverte. Avec nous aussi, notre ami hein, depuis 3 mois, Guillaume Vendée. Salut Guillaume. Salut. Tablette Café, tablette le podcast. Café, ouais. Alors, c'est pareil, on va faire des petits réglages. On en profite, comme ça on se présente, voilà, en même temps on fait des petits réglages de dernière baisse minute. Un petit peu le micro, je le baisse comme ça. Il faut vraiment qu'il soit voilà, proche de... Eh bien écoute, je vais m'en rapprocher comme ça. Proche de ta bouche. Super. Voilà. J'espère que vous nous entendez tous bien. Alors, normalement les tweets commencent pas mal à tomber, les SMS aussi. Je regarde ce qui arrive. Voilà, Driss me dit qu'il y a un appel Skype qui sonne sans cesse. Effectivement, c'est ma faute. C'est ma très grande faute. C'est pas de ta faute, Gilles. En fait, on a plusieurs amis qui doivent se manifester et nous contacter par Skype. Et pour tout te dire, la gestion de Skype, la gestion multi correspondant de Skype va être compliquée ce soir, étant donné que tout se passe sur un petit écran qui est vraiment tout petit. J'ai du mal à voir en fait la fenêtre et donc j'arrive pas, pour parler clairement, j'arrive pas à cliquer sur le bouton. On va peut-être se démerder autrement. Je mettrai une caméra sur mes camarades et puis on essaiera d'arranger ça. On peut en tout cas démarrer comme ça. Guillaume, est-ce qu'on peut replacer cette soirée dans le contexte de l'année 2012
pour Apple, concrètement, qu'est-ce qui se passe ce soir? Qu'est-ce qui commence dans quelques instants, puisqu'il est il est 19h01, hein, comme en témoigne la pendule qui est juste devant nous. Mais ce qui se passe, c'est la conférence qui est destinée prioritairement aux développeurs. Alors, bon, normalement, on est censé annoncer les nouveautés d'un point de vue notamment logiciel et puis surtout sur les systèmes d'exploitation. Et évidemment, c'est aussi un très très bon prétexte pour ouvrir un petit peu des premières fenêtres sur les innovations d'Apple. On se rappelle notamment que l'an dernier, les éléments qui ont été annoncés, c'était notamment iOS 5, qu'on a tous maintenant dans notre iPhone ou notre iPad, et puis iCloud. Donc c'est des éléments qui sont quand même assez clés pour les développements pour l'année à venir et puis pour les usages qu'on va en avoir. Et puis je suis assez excité parce qu'on peut espérer quand même ce soir peut-être aussi avoir un petit peu du Mac, avoir peut-être pourquoi pas de l'Apple TV. On attend ça avec impatience. Gilles, qu'est-ce que tu nous pronostiques? Qu'est-ce que tu attends de cette soirée à San Francisco? Peut-être d'abord, explique à ceux qui sont pas forcément familiers de l'événement, concrètement, qu'est-ce qui se passe là à San Francisco, puisqu'il est 19h02 à l'heure où on se parle. Concrètement, Tim Cook et son orchestre, on va dire, vont monter sur scène et présenter le futur immédiat du Mac avec macOS 10, la version Lion des montagnes. Et, Oui, parce qu'elle s'appelle Mountain Lion en anglais. Hein. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est la fin de la série des félins, puisqu'ils ont toujours dit que c'était cette série de macOS 10, c'était là pour 10 ans à partir des années 2000-2001 où ils l'ont présenté. Donc c'est là pour 10 ans avec l'évolution des espèces. On a eu toute une série de félins, pumas, dans le désordre, tiger, lion, léopard, snow léopard, et là on est à mountain lion qui est le dernier félin. C'est un félin qui a disparu dans l'évolution. Alors est-ce qu'on va passer à quelque chose de plus moderne et de plus synthétique avec qui va recouper tous les écrans, celui du Mac, celui de l'iPhone et de l'iPad, on va le voir. Donc pour finir cette longue parenthèse, on a les développeurs de macOS 10 qui sont là et les développeurs d'iOS, c'est-à-dire le système d'exploitation de l'iPhone et de l'iPad, qui sont là également en très grand nombre, puisque les réservations ont été bouclées en un temps record. Ouais, ça, tout est parti en 2 heures, hein, des places à 1 500 $, grosso modo. Hein. Oui, c'est hein ça. Ils sont 5 000, alors, donc on fait vite les calculs. On aime, on ne compte pas. Et alors, Apple met les petits plats dans les grands, puisque ils font venir l'essentiel de leurs ingénieurs de Cupertino pendant une semaine au Moscone Center à San Francisco pour aider, faire des présentations et puis échanger dans les couloirs, etc., avec les développeurs qui sont là. Alors, les amis, évidemment, on est là pour discuter, mais on est surtout là pour suivre et pour aider ceux qui nous regardent à suivre ce qui se passe à San Francisco dans cette salle du Moscone Center. Donc on est en plein centre-ville. Sur place, c'est la tradition, les vénards qui sont dans la salle ont souvent fait la queue depuis 5-6 heures du matin, hein, au minimum, et on arrive tôt pour être aux premières loges en général, hein, Gilles? Oui, c'est ça, pour être bien placé, même si l'hôtel est souvent pas très très loin, hein, puisque c'est une ville de conférence, il faut être là de tôt, la queue est longue. Souvent elle fait bien une bonne centaine de mètres. C'est un peu la fête d'ailleurs à l'extérieur.
Alors il est 10h06 à San Francisco. Est-ce que les amis, vous avez des premières indications sur ce qui se passe dans la salle, Guillaume? Oui, alors comme plein de keynote Apple, on a des premières stats. Hein. Ils commencent par quelques slides qui posent tout de suite un petit peu les conditions et puis qui mettent un petit peu la barre assez haut en général. Ils ont commencé avec l'App Store, donc ils disent qu'ils ont 400 millions de comptes sur l'App Store. On rappelle que à chaque fois un compte, bon, c'est une carte bancaire hein, avec la possibilité d'acheter en un clic. Ils parlent de 650 000 applications sur l'App Store, 225 000 d'entre elles sont spécifiquement dessinées pour l'iPad. Donc ça c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Jean-Baptiste, est-ce que toi tu as réussi à te connecter là? Dis-moi, quelles sont tes sources pour suivre avec nous cette grande soirée Apple? Pour l'instant, je rame un peu. Alors, je suis un peu spécifiquement chargé de suivre un peu le retour de nos auditeurs, donc de nos téléspectateurs. On me demande d'abord s'il y a un hashtag de prévu pour live conférence du live de Paris. Donc, alors, est-ce que c'est un hashtag pour la conférence Apple ou pour non, l'émission? Non, pour nous. Pour l'émission nous, oui, pour nous. Le hashtag qu'on utilise généralement, c'est le 360HT. Très bien. Okay, hein, c'est noté. Pour le 360 high-tech. Vous pouvez nous signaler nos manques, nos carences. Et d'ailleurs, vous avez plusieurs solutions hein, pour regarder cette émission, puisque je vais citer nos partenaires et en les remerciant. Il y a évidemment Mac Plus hein, avec Gilles, il y a tablette tactile et tablette café avec Guillaume. Et puis, on est aussi diffusé en direct sur le site d'Euronews France. Une couverture sympa pour cet événement. Tu le disais, Gilles, qui est vraiment le dernier événement daté qui nous reste sous la dent. Hein. Oui, c'est bien ça. Et Tim Cook a l'air sur scène. J'espère qu'il serait en retard, sinon, dis donc. Il parle gros chiffres, apparemment. Oui. C'est toujours comme ça, hein. C'est important. D'abord, c'est le dernier grand rendez-vous corporate pour Apple, et c'est important pour les développeurs puisque ils sont, comment dire, c'est leur gagne-pain ou une part importante de dans leur revenu, quoi. Il faut attirer les gens, leur dire qu'il y a de l'argent à gagner sur l'App Store, d'autant que les magasins d'applications se multiplie et que le système qui a été mis en place par Apple en 2008 a été largement copié, y compris par Android. Ouais. Guillaume, je t'ai pas posé la question de ce que tu attends toi de cette soirée. Est-ce que tu es plutôt, on va dire, curieux de voir ce qui va sortir du côté de la gamme des Mac? Est-ce que tu attends de voir à quoi va ressembler iOS 6, le système de l'iPad et de l'iPhone et de l'iPod Touch? Est-ce que tu attends une surprise, la télé Apple ou un éventuel iPhone 5? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Il y a deux choses. Soit passe une commande, vas-y. Alors, si on passe une commande, on va aller très très loin, attention. Non, si on se place sur ce sur quoi on mise, sur ce qui va se passer ce soir, je pense très clairement qu'il ne faut pas attendre un iPhone 5 ce soir. Ils ne vont pas annoncer de nouveaux téléphones Apple. Il faudra attendre encore un petit peu. Par contre, évidemment, ils vont annoncer le nouveau système d'exploitation, iOS 6, on l'a vu sur les pancartes. Ils vont nous parler évidemment de Mountain Lion et de iCloud, sans doute des innovations qu'on peut attendre, parce que le système iCloud est un beau système, mais il a aussi des limites. On espère qu'il va aller quand même un petit peu plus loin. Et puis, on attend plein de petits détails, j'espère encore beaucoup de choses pour Siri. Parce qu'aujourd'hui, Siri est un superbe système pour les Anglais, ceux qui parlent couramment anglais. Par contre, nous, en France, on est un petit peu peinés dès qu'il s'agit de faire autre chose qu'envoyer un SMS ou passer un coup de fil. Donc, on espère que ça va s'étendre un petit peu. Et puis, pour sortir un peu du logiciel, on s'attend évidemment à avoir des nouveaux Mac. La gamme nécessite d'être peut-être rafraîchie. Alors, peut-être pas complètement rafraîchie, mais en tout cas, remise un peu à niveau pour être encore sur le top de l'informatique, on va dire. Et puis, on a vu, on était ensemble pour découvrir le nouvel iPad qui a un écran Retina. C'est à peu près la taille d'un écran que pourrait avoir un Mac. Un MacBook. Les fameux écrans Retina. Alors, est-ce qu'on peut espérer avoir des Mac écran Retina? Est-ce que, alors, il y en a certains qui disent qu'il n'y a pas d'intérêt, hein, qu'il n'y a pas d'intérêt sur un ordinateur. Moi, j'y crois encore beaucoup. On va voir ce soir.
Jean-Baptiste, toi, t'es plutôt. Qu'est-ce qui t'intéresse plutôt, alors, à la fois à titre personnel et peut-être par rapport à ton boulot, qu'est-ce qui a le plus d'avenir et qu'est-ce qui t'excite le plus dans ce qu'Apple est capable de nous sortir aujourd'hui? Alors, excitation et boulot, quelquefois, c'est pas toujours c'est très compatible. Tu vois ce que je veux Mais dire? nous, on prend du plaisir à faire ce qu'on fait. Donc, moi, je suis un peu la caution vintage de l'émission, puisque c'est d'abord les Mac qui nous passionnent ici, puisque c'est notre instrument de travail au quotidien. Ouais. Donc, on avait parlé la dernière fois qu'on s'était vu de hérisation de l'ensemble de la gamme, hein, c'est-à-dire plus fin, qui chauffe un peu plus, mais voilà. Rétina pour tout le monde, c'est possible, c'est une possibilité. Puis la disparition du disque dur traditionnel pour du SSD, du SSD pour tout le monde aussi. Bon, quelque chose qui sera à la fois logique, mais en même temps, on a pris un peu l'habitude de cracher un peu dans la soupe à chaque fois qu'il y a des annonces Apple, puisqu'on attend toujours le truc extraordinaire. En définitive, on finit tous à l'Apple Store de toute façon. donc, moi, si on devait attendre quelque chose ce soir, bon, c'est évidemment des transformations, des évolutions de l'OS, mais aussi un vrai rajeunissement ou une vraie mise à jour de la gamme portable, parce que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup ici. C'est notre instrument de travail. Et puis peut-être j'y reviens aussi, puisque je suis le dernier au monde à plaider pour ça, le retour du 24 pouces de l'iMac 24 pouces, parce que 21 c'est trop petit maintenant, et 27 c'est pas possible, donc voilà. Mais je serai le dernier, hein, donc voilà. Le 24 peut devenir l'entrée de gamme éventuellement. Absolument, voilà. Démarrons au 24 pour tout le monde, ça serait un saut quand même qualitatif. Gilles, toi qui as les yeux, j'imagine, sur plusieurs écrans en même temps, qu'est-ce qui se passe à ta connaissance du côté de San Francisco depuis quelques minutes? Je vous étonnais, ils font du X. Enfin, il y a un petit. Ils font du X. Ils font du X, oui. On voit, il y a une photo sur Ars Technica où on a l'air de voir des spermatozoïdes et on a vu sur d'autres sites des radios. De main en particulier de Carpe. Et je pense qu'ils sont en train d'insister sur deux choses très importantes pour Apple. C'est d'une part l'éducation, le marché de l'éducation qui fait partie des marchés essentiels, et quelque chose qui va se développer beaucoup, beaucoup pour les tablettes, c'est le marché de la santé. L'hôpital, où en particulier aux États-Unis, les établissements hospitaliers ont beaucoup plus de marge de manœuvre financière, et la tablette est en train de s'implanter depuis 2-3 ans de façon extrêmement importante. Oui, puis là, ils insistent, donc, voilà. Gilles, on voit pas mal d'applications. Là, on sent qu'on parle aussi aux développeurs. On a vu un chèque passer de 5 milliards. Donc ce serait la somme totale qui a été reversée aux développeurs. Et puis on voit un best-of d'excellentes apps au niveau design et au niveau usage. Hein. On voit ça défiler en photo, c'est assez incroyable quand même. C'est ça, il y a un petit film qui est présenté aux gens qui sont là. Alors, je m'étais absenté 2 secondes parce que... ça s'est pas vu. Hein. Eric Lecomte, notre grand maître de la technique que je salue et que j'irai rejoindre demain, du côté de sa Bretagne chérie, me signalait qu'il y avait une mire sur une des caméras. Voilà, je l'ai enlevée, c'était celle-là, je crois. Donc, merci Eric de nous avoir signalé que voilà, des fois il y a des trucs énormes dans le champ. C'est comme au cinéma. Hein, il y a des sites qui s'amusent à repérer les perches et les autres hein, et les autres bugs dans les plans. Bah, nous, on avait carrément une mire. On parlait des Mac. Alors Guillaume. Moi, c'est personnellement, je suis extrêmement impatient de savoir ce qui va se passer, notamment du côté du Mac Mini, qui est un Mac que j'aime beaucoup. J'ai aussi beaucoup, beaucoup enquêté au mois d'avril au NAB à Las Vegas au sujet de cette éventuel arrêt de mort qui serait prononcé contre les Mac Pro. La situation a beaucoup évolué ces derniers jours, puisque tout le monde que de nouveaux Mac Pro vont être annoncés aujourd'hui. Ça, c'est un message hyper important qu'Apple doit donner, notamment à ses utilisateurs les plus pros et les plus exigeants. Hein. C'est vrai que depuis pas mal de temps, on a remarqué qu'Apple diffuse des nouveautés, des vraies nouveautés, mais très très peu à destination des créatifs, comme
On imaginait Apple, il y a de ça quelques années, comme étant la firme emblématique qui propose la création, et la création à titre professionnel sur ses produits. Et depuis quand même quelques temps, on voit qu'ils sont mis un petit peu au second plan, il n'y a pas eu de vraie nouveauté. Je ne sais pas de quand date, je pense que Gilles pourra mieux nous éclairer là-dessus, mais de quand date les derniers vrais MacBook Pro, les Mac Pro, ouais. Les vrais tours, comme ben au bon fait, vieux temps. Ça va faire 2 ans, non, Gilles hein? Oui, c'est ça, 2 ans, et pour amender dans ton sens, différemment nuancé, Final Cut Pro X, l'évolution du logiciel de montage professionnel, a été présenté avec l'iMac en présentation officielle à Place d'Iéna, en disant maintenant vous faites avec un iMac 27 pouces, d'un vrai, vous faites le travail qu'on faisait auparavant avec un Mac Pro et ses multiples. L'iMac avait un quadricore hein, au lieu d'avoir des puces doubles. Oui, pour simplifier ce que tu dis, c'est vrai qu'ils avaient fait les démonstrations de Final Cut Pro 10 sur des iMac, ce qui avait étonné pas mal de monde. Je parlais encore très récemment à Vincent Laforêt, qui est le réalisateur franco-américain qui a découvert les capacités vidéo du 5D Mark II il y a 3 ans. Et il m'a très clairement dit qu'il y a environ un an et demi, lui qui faisait partie des privilégiés qui testaient un peu les versions bêta à la fois des logiciels et du matériel, et qui en avait en prêt chez lui, du jour au lendemain, ils ont tous reçu un mail de Phil Schiller disant que c'était terminé, et Apple a récupéré tout le matériel, tous les logiciels, et c'est le moment qui a correspondu avec l'arrêt d'un certain nombre de logiciels de la suite vidéo, Shake, Color, etc. Depuis plusieurs mois, on voit beaucoup de monteurs, de réalisateurs qui désertent Final Cut pour aller notamment du côté de Premiere Pro. C'est lié notamment à cette absence de renouvellement du matériel et à cet inconnu quelque part hein, qu'entretenait Apple. Normalement, théoriquement, Guillaume, ce soir, on va enfin y voir clair et savoir sur quel pied danse Cupertino. Bon, on l'espère en tout cas. Enfin, c'est vrai que les rumeurs laissent imaginer qu'il va y avoir du nouveau là-dessus. On va voir. Et c'est vrai qu'ils ont un fort signal à donner, parce que si on écoute effectivement le fait qu'ils n'ont pas renouvelé leur gamme de produits, machines qui produisent pour les pros de la vidéo et du gros montage, on voit aussi qu'ils sont engouffrés à corps perdu dans les smartphones, dans les tablettes, qui sont quand même pas des environnements de produits que les pros attendent. Et on a vraiment l'impression qu'ils bossent que là-dessus, quoi. On a l'impression, alors c'est à mon avis qu'une impression bien entendu, mais on a vraiment le sentiment qu'ils se sont orientés clairement vers le marché grand public, vers les particuliers. Et il y a aussi, je pense, le petit écho de la guéguerre avec Adobe, avec Flash qui était absent du système iOS, et puis les petites ruptures qui ont pu être perçues entre Adobe et Apple. Ça donne un sentiment qu'on ferme la porte aux créatifs d'avant. Donc à voir ce soir si ça va évoluer, en tout cas sur le plan matériel, à voir sur la nouvelle ligne. Alors on nous annonce en tout cas, juste pour terminer, une nouvelle ligne de MacBook. Donc, le MacBook Air avec de l'USB 3 sur la carte logique. Et un Core i5, une troisième génération de Core, de l'Ivy Bridge, 2 GHz dual core, ce qui est une performance sur un MacBook. Attends, Gilles, on parle de rumeurs ou on est dans les annonces? Non, c'est des annonces. Non, ce sont des annonces. Alors reprenons, parce que honnêtement, il faut que je note et je n'ai pas noté. Alors dis-moi. Alors, une troisième génération de Core, c'est de l'Ivy Bridge. 2 GHz, on parle du MacBook Air, MacBook Air, hein. Jusqu'à 2 GHz en dual core i7, ça va être en option je pense, ou alors sur le modèle haut de gamme, turbo boost jusqu'à 3,2 GHz, c'était la petite cuisine interne à Intel, jusqu'à 8 Go à 1600 MHz de mémoire hein, en fréquence d'horloge, et jusqu'à 60% de vitesse supplémentaire
pour l'affichage graphique. Alors il y a une première caractéristique qui va, je pense, parler au grand public dans ce que je vois passer, c'est que voilà, le MacBook Air officialise enfin l'arrivée de l'USB 3 sur les Macs. C'est bien ça. Alors ça, c'est on va sortir les serpentins, les casques à pointe et ouais. Hein, Jean-Baptiste. Oui, oui, puis on passe au 256 Go de SSD sur le 13 pouces R, disons haut de gamme. Hein, donc là aussi, hein, c'est champagne quand même. Alors, quelle capacité on a de... C'est modique. Si je puis me permettre, c'est modique. On est à 1100$. C'est modique en termes de prix. En termes de prix, le haut de gamme est toujours. Ils ont fait l'effort. C'est quelle capacité pour 1100$? 1100$, on a 4 Go de RAM. 12 gigas de flash storage, non 128 de mémoire flash, 5 heures et un écran toujours de 11 pouces. Ouais. Enfin, 128 gigas pour du SSD, c'est quand même, on va dire, c'est on est à 512 de manière assez assez rapide aujourd'hui. Oui, puis je veux à noter aussi 128, que... 128, c'est le minimum syndical quand même, non? On est sur le 11 pouces, hein, donc c'est le petit truc à trimballer. Le modèle au-dessus de l'iPad. Après, il faut voir ce qu'il propose pour le 13 pouces. Alors, Guillaume, on va revenir vers toi pour voir ce qui se passe toujours dans cette salle du Moscone Center à San Francisco. Donc, stratégiquement, Tim Cook a démarré par les premières annonces matérielles qui concernent le Mac et par le MacBook Air. Alors, on attend maintenant de savoir ce qui va se passer pour le reste de la gamme, parce qu'on entend parler depuis des mois d'une éventuelle disparition des... D'abord du MacBook Pro 17 pouces, donc le plus grand modèle, et puis éventuellement d'une transformation de la gamme MacBook Pro en sorte de super MacBook Air. Une hérisation. Hein, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, combien de portables tu vois arriver si tu devais faire un pronostic? Alors, combien, je ne sais pas, j'en vois peut-être pas beaucoup plus que...